la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tuto, on va nettoyer les sièges de la Honda. Allez, c'est parti. Bon, déjà, on va commencer par l'aspirer. Ouais, il y en a besoin. Oh, quand même. Hein. Bon, allez, c'est parti. Oh. Ça, après, on va le claquer, ça. Quand même un petit peu mieux comme ça. Bon, tous les sièges, quand j'ai acheté la voiture, les sièges ils étaient déjà comme ça, dégueulasse. Hop, donc on va leur donner un petit coup de propre. Tu vois, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Bon, après, il y avait des enfants. Donc, quand t'as des enfants, hey, hey. Faut mettre des housses. Alors, tu vois, j'ai acheté ça. 2 euros, 1 euro aidé, donc 2 balles. C'est pour les moquettes, les tapis et tout. Donc, t'inquiète, avec ça, ça va être nickel. Je vais pouvoir faire le sol, les sièges, le plafond. Tout neuf, frérot. Prends ça et tu verras. Alors, tu vois, regarde, tu le secoues bien. Hop, et après, c'est parti. T'inquiète, faut pas avoir peur. Sans pitié, t'en mets partout. Et après, tu laisses agir 15-20 minutes, une demi-heure, même si tu veux, si t'as le temps. Tu vois, t'en mets bien partout. Et tu laisses agir. En plus, ça sent bon. Oh, ouais. Voilà. Allez, maintenant, tu fais pareil à l'avant. Pour l'instant, on fait que le siège. Le sol et le plafond. Je ferai ça en off ou sur une autre vidéo.
pour une fois, tu peux faire des coulantes. Faut profiter. Allez, maintenant on laisse agir. Voilà, tu vois. En gros, t'attends qu'il n'y ait plus de mousse. Tu te prépares un peu d'eau chaude avec un petit truc pour frotter. Donc ensuite, dès que tu as bien laissé agir, tu prends ton petit torchon. Et ensuite, tu frottes. Tu vois, on commence déjà à voir la différence. Après, si vraiment tu tombes sur des grosses taches, tu remets du produit, tu laisses réagir et tu recrottes. Et ouais. Mais regarde déjà, c'est quand même beaucoup plus propre. Là, regarde les taches là. Dans un sens, un coup dans l'autre. Tu vois, c'est quand même déjà beaucoup plus propre. Je vais répéter l'opération une deuxième fois s'il faut. Et je vais avoir des sièges tout neufs. Et ouais, frérot. En plus, ça sent bon. Ça sent la fraise, je dirais. Si, c'est quand même beaucoup mieux. Allez. Je termine et je passe à l'avant. Et après, bien sûr, faut laisser sécher. Hein. Tu peux remettre un petit coup d'aspi aussi dès que tu as fini. Tu vois. Ça dépend. Déjà beaucoup mieux. Regarde nous, juste le bord qui est arrière, il est tout noir.
son cou, tu vois. Ça va lui faire du bien. Allez, je termine. Et puis je vous reprends après. C'est beau quand c'est propre. Et le frangin. Tout neuf. T'as vu ça? Donc voilà, j'ai terminé. Donc maintenant on va laisser sécher. Et tu vois, c'est quand même beaucoup plus propre. Franchement, à l'été, je vais remettre un petit coup. Et ça sera encore mieux. Tranquillou, frérot. Bon ben voilà, un petit coup de Karcher, un petit coup de nettoyeur jante, et ça sera parfait tout ça. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, ciao la famille! Oh là 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 là, dans l'état qu'il est! On va lui faire un petit nettoyage. Et ouais, un mois passé qu'il n'est pas sorti le pépère. Il va toujours aussi bien! Hein.